Des familles entières restent sans abri et ils appellent à l'assistance d'urgence. Regardez. Un gigantesque incendie a consumé plusieurs maisons la nuit du samedi 3 juin vers 21h sur avenue Kanzaïr au quartier Nkafu dans la commune de Kadutu. Plusieurs dizaines de maisons, voire une centaine, sont parties en fumée. De nombreux ménages, des familles ont passé la nuit à la belle étoile. Il y a même des familles qui ont perdu tout le bien dans cet incendie. Il s'agit d'un énième sinistre du genre dans la commune de Kadutu où, comme ailleurs, le feu a été maîtrisé plusieurs temps après grâce à l'intervention de jeunes. La ville de Bukavu faisant face au manque criant des véhicules anti-incendie pour intervenir en cas de pareil drame. Jusque-là, l'origine de ce feu dévastateur qui a consumé des maisons à Kanzaïr reste inconnue. Pour rappel, il y a environ 4 ans qu'un autre incendie du genre s'était déclaré sur la même avenue. Du site Kivu Cap vers Ankara, nous sommes en Turquie. Le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a pris part au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la cérémonie des prestations de serment du président turc Erdogan Pati Kizunda. Réuni pour un troisième mandat, le président turc Tayyip Erdogan a prêté serment le samedi 2 juin 2023 devant le Parlement Ankara. Représentant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kingi était compté parmi les chefs d'État et des gouvernements invités des marques qui ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Pour rappel, les relations entre la République démocratique du Congo et la Turquie sont au beau fixe. Pour preuve, la Turquie est comptée parmi les partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo et participe à la réalisation des grands projets d'investissement, notamment la construction des centres financiers de Kinshasa. Et puis c'était à tête entre les gouverneurs militaires de l'Ituri et le secrétaire général américain sur les questions sécuritaires, les tout dans ces reportages. Et bouclé. C'est un message simple et clair. Le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix s'est félicité de la collaboration qui existe entre l'administration militaire et la MONUSCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale en cette période de l'état de siège. C'est ce qui a permis à la reconquête de plusieurs villages et des milliers de déplacés à regagner leur milieu d'origine. Déclaration faite ce dimanche après un échange avec le gouvernement militaire de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Je voudrais remercier son Excellence le gouverneur pour son accueil chaleureux et aussi pour l'excellent travail en commun entre les autorités provinciales dans toutes leurs composantes civiles, militaires et police et nos collègues de la MONUSCO. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous travaillons ensemble à surmonter ces défis. Le gouverneur nous a déjà indiqué qu'il y a des retours assez substantiels, donc plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont retournées. Et c'est ça qu'il faut continuer, parce que l'objectif, ce n'est pas que les populations restent dans des camps de déplacés à recevoir de l'aide humanitaire. Évidemment, c'est mieux que de perdre la vie, mais c'est de créer les conditions pour qu'elle puisse retourner chez elle. Occasion pour le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, gouverneur et commandant des opérations militaires, de réitérer son message aux groupes armés à s'aligner. C'est le chemin de la paix. Et donc, aujourd'hui, la boucle est bouclée. Les opérations, la justice, l'humanitaire et maintenant, tous les grands responsables, que ce soit sur le plan international, sur le plan national avec le Premier ministre, sont venus. Donc, d'ici là, nous allons encore davantage monter en puissance et nous allons mener des opérations d'arrestation, des opérations dans le DD là-bas. Donc voilà, vous avez tous les choix devant vous, la route est balisée, à vous de faire votre choix. Si vous ne voulez pas, vous serez neutralisé et vous irez vers la justice. C'est même dimanche, ce haut fonctionnaire des Nations Unies va se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, à la rencontre des déplacés affectés par le conflit armé, en prévision d'une assistance humanitaire et de réconfort moral. Il s'y est de signaler que la visite de Jean-Pierre Lacroix au chef-lieu de l'Ituri intervient après la mission judiciaire du procureur de la CPI, un message fort pour l'ennemi de la paix.
Puisque nous sommes en Ituri, responsable pour parler de la désignation des points focaux sur la justice transitionnelle, points focaux de la dynamique des femmes juristes, ils sont désignés pour mener des activités de plaidoyer dans cette province. Regardez. Au nombre de 2 points focaux par association choisie volontairement par les représentants des victimes des crimes de masse qui travailleront avec l'ONG Dynamique des femmes juristes. Ces désignations ont eu lieu lors de l'Assemblée générale organisée ce samedi 3 juin 2023 à Bounia par la Dynamique des femmes juristes, DFJ en sigle. Dans ce projet Just Future, financé par les partenaires Corded, ils ont été choisis après une minute de silence accordée aux victimes décédées en Ituri, suivie de quelques explications sur le sens de la justice transitionnelle et l'attente de la dynamique des femmes juristes puis du partenaire Corded développé par le représentant de ces structures pendant cette activité. Les responsables du projet et plaidoyer à Just Future au sein de la dynamique des femmes juristes DFJ venu de Goma, maître Guy Mutumbi, donne ici les bien fondés de cette activité. Cela fait 3 ans que nous sommes en train d'accompagner les victimes de crimes graves, les victimes de violences sexuelles liées au conflit dans le programme Just Future qui est financé par Corded, notre partenaire. Et voilà, nous avons maintenant voulu débuter le processus au niveau de l'Ituri pour que nous puissions être au même diapason, l'Ituri, le Nord Kivu ainsi que le Sud Kivu qui est couvert par le projet. Quelques membres des associations choisies comme point focaux de la dynamique des femmes juristes en Ituri n'ont pas hésité d'exprimer leurs sentiments à l'issue de cette activité. Il est à noter que ce projet consiste à former les représentants des crimes de masse réunis au sein de ces associations sur le plaidoyer en vue d'accéder à la justice transitionnelle pour être bénéficiaire des réparations y afférentes selon la nouvelle loi promulguée. Les territoires d'Idiofa dans la province de Kwilu fait face à l'insécurité depuis un certain temps. La police nationale congolaise a arrêté quelques inciviques à la base de cette insécurité. Commentaire Lucie Lavitch-Seda. Quelques malfrats qui sèment la terreur et la désolation au sein de la population du territoire d'Idiofa dans le Kwilu ont été appréhendés par les services de sécurité. Ces inciviques qui, dans la plupart des cas, opèrent la nuit en volant des motos des paisibles citoyens, créent l'insécurité dans l'ensemble du territoire. Nous tenons d'abord à remercier la population qui a compris qu'il a l'obligation d'être coopérative avec la police. C'est à eux de nous porter les informations pour que nous pouvons agir des moments voulus. Arrêter ces inciviques sont passés aux aveux. Avec le démantèlement de ce réseau, les autorités de la police nationale congolaise du Kwilu espèrent au retour de la paix dans ce coin du pays et demandent à la population de continuer à leur faire confiance en dénonçant tout acte tendant à troubler l'ordre public. Dans les grands Équateur, nous vous proposons la visite du directeur général adjoint à Guadolite. Guadolite, dernière étape de la visite d'inspection du directeur général adjoint de l'Office des routes dans l'espace Grand Équateur. Au-delà des efforts fournis pour la réhabilitation du tronçon routier et la construction des ponts, la grande difficulté reste et demeure l'immobilisation des engins actuellement en état de vétusté, car la dernière dotation date de 2007. Doter l'Office des routes de matériel pour jouer pleinement son rôle d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routière en République démocratique du Congo, c'est le vœu exprimé par le directeur provincial du Nord Ubangi. Non, c'est vraiment une très bonne chose et une très bonne opportunité, puisqu'il est vraiment nécessaire que notre autorité, notre directeur général adjoint, puisse vivre les réalités que nous vivons ici. On n'a vraiment pas de matériel à bon état. Les matériels sont dans un très mauvais état. Ça tombe souvent en panne. Malgré ces difficultés rencontrées, le DGA, l'Office des routes et le professeur Célé Ekoto a exhorté le personnel de cet établissement public au travail afin d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son vaste programme de modernisation du réseau routier dans notre pays. Le professeur Célé Ekoto a insisté sur la discipline, la ponctualité, la méritocratie, la culture des valeurs morales et la lutte contre la corruption dans l'exercice du métier
au quotidien des uns et des autres, non seulement dans la province du Nord-Ubangi, mais aussi sur l'ensemble des territoires nationaux. Direction les territoires de Ouattara, nous sommes dans le Haut-Touélé, dans le secteur de l'enseignement. On observe des avancées dans la construction et modernisation des écoles. L'une des retombées positives de la gestion rationnelle et efficace par le chef du secteur Kibali, Guédonné Sourou et le Wantiment, de la taxe liée à la redevance minière aux entités territoriales décentralisées dans les domaines éducatifs se concrétise à travers divers projets scolaires axés sur la construction et la modernisation d'une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires qui s'exécutent dans la curielle des villages disséminés dans les 6 groupements du secteur Kibali en plein territoire de Ouattara. Une des voies efficaces et efficientes pour le chef du secteur Kibali d'appuyer et de soutenir la gratuité de l'enseignement de base dans cette partie de la province du Haut-Touélé. L'exécution de tous ces travaux dans ces écoles n'a pas laissé indifférents les errés bénéficiaires, parmi lesquels les parents d'élèves, les membres des corps professoraux et responsables dites écoles. Il convient de noter qu'hormis la construction et la modernisation de ces nouvelles écoles, les chefs du secteur Kibali s'engagent à doter certaines d'entre elles des matériels didactiques de première nécessité, sans oublier une série de kits scolaires qu'ils doivent doter aux écoliers et élèves de cette partie du territoire national. Dans les Bazouélés, par contre, la société civile plaide pour la réhabilitation et la modernisation des hôpitaux du territoire des Bambessa. Le secteur de la santé publique de la province du Bazouélé peine à emboîter les pas à la couverture de la santé universelle, prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vétusté et le délabrement des bâtiments, les manques de médicaments et instruments médicaux appropriés, les non-paiements de primes et salaires, les manques de frais de fonctionnement, sans oublier le vieillissement du personnel, tels sont les problèmes les plus récurrents dans la plupart des hôpitaux, centres de santé et autres formations médicales de cette province. Bon, la situation est grave. Le frais de fonctionnement n'a pas repris. C'est depuis 2013 qu'on a arrêté le tout dernier frais de fonctionnement. C'était venu une fois. Pour ce qui concerne les matériels de l'hôpital, absolument nous n'en avons pas. Alors c'est pour cette raison, nous demanderons à nos autorités administratives comme politiques pour nous aider. En ce jour de travail dans cette partie du territoire national, l'honorable sénateur Papi Bazego Tebusseli n'a pas hésité de faire la ronde des installations hospitalières dans les 11 zones de santé pour s'enquérir de la vraie situation de cette triste réalité socio-médicale, d'où le sens patriotique de ses plaidoyers. Le Congo, c'est 145 territoires. Mon impression, c'est que c'est un sentiment d'abandon. Les associations, les ASBL ne peuvent pas se substituer à l'État. L'État a sa mission et l'État doit s'assumer. De l'hôpital général de référence de Bouta jusqu'à l'hôpital de Ganga, dans le territoire de Bambessa, en passant par d'autres formations médicales, le constat est le même et il est très amer. On sentait toujours le paludisme, cette pathologie qui constitue l'une des causes de mortalité, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, et cause de l'absentéisme. À l'école, les élèves de la province de Maniema ont été sensibilisés sur la malaria par le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui des Sanro Asbel. Jean-Richard Kouali. Plusieurs activités ont été organisées par le Programme national de lutte contre le paludisme en partenariat avec Sanro. Ces activités rentrent dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Il s'agit notamment des sensibilisations organisées dans différentes écoles comme le complexe scolaire Mwamba, Moulambi et La Fontaine, mais également dans les églises kimbanguistes, néno et catholiques, plus précisément la paroisse Sainte-Ruth, au centre de santé Bassoko, Kasuku 2 et Mikelenge. Ces sensibilisations portaient sur l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, la prise de la SP ou fancidaire chez les femmes enceintes et la prise en charge gratuite en cas de malaria dans les structures sanitaires de l'État. Toutes ces sensibilisations ont été supervisées par le docteur Isabelle Koufundu de Sanro Kinshasa. Cette série de sensibilisations s'est clôturé par un point de presse animé par le ministre provincial de la Santé, le docteur Kimbung Junior. Je rends les hommages les plus déférents
à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, qui ne cesse d'intervenir dans la lutte contre le paludisme, laquelle vision est matérialisée dans notre province par son Excellence Afani Tshisekedi, gouverneur des provinces du Maghreb. Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme, investir, innover et mettre en œuvre. C'était donc le thème principal de cette 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'était toujours le 28 mai dernier, le monde a célébré la journée de l'hygiène en période des menstrues. Le programme national de la santé des adolescents, PENSA, a organisé une cérémonie présidée par le ministre de la Santé. Objectif, faire taire toutes les rumeurs sur l'hygiène des menstrues. Jean-Pierre Dolodemas. Des mythes, des normes sociales et des pratiques culturelles stigmatisant la menstruation, situation qui met mal à l'aise des milliers de jeunes filles dans le pays à une hygiène appropriée des menstrues, impactant leur santé et leur dignité. Il a été constaté que les tabous et les mythes qui entourent la menstruation causent beaucoup de torts à la jeune fille et à la femme, et que donc il faut en parler. Il faut apporter toutes les réponses aux mythes et aux rumeurs qui se sont formées au cours du temps sur cette question dont on parlait peu. Cette célébration organisée par le Programme national de la santé de l'adolescent en marge de la Journée mondiale de l'hygiène des menstrues a donné l'occasion aux concernés d'adresser leurs besoins en la matière. En ce qui concerne le gouvernement, nous avons demandé d'intégrer une notion de santé et d'hygiène menstruelle dans les interventions offertes par les apprenants des IPM. Intégrer dans les écoles des installations adéquates prenant en compte les besoins de jeunes filles en hygiène menstruelle, notamment les infrastructures d'eau et d'assainissement sur toute l'étendue de la RDC. Intensifier l'implication des hommes et les autres ministères étatiques, le ministère du genre, le ministère de l'enseignement, l'économie et autres, pour une bonne promotion et appropriation de la thématique santé et hygiène menstruelle en RDC. Des recommandations qui seront prises en charge par le gouvernement. Autre chose à entreprendre par l'autosuffisance, c'est le thème de la journée de sensibilisation des femmes et jeunes filles à l'entrepreneuriat. C'est Maître Darlène Wangata, présidente internationale de Joada, qui a sensibilisé ces femmes à Mokali dans le district de la Tchangou. Robert Ndaye Tshisese. De la journée de sensibilisation des femmes et jeunes filles à l'entrepreneuriat est évocateur. Entreprendre pour l'autosuffisance, une initiative de la Fondation José Darlene Wangata. Pour cette première journée de sensibilisation, c'est Mokali qui a été choisi. Plusieurs orateurs ont expliqué à ces femmes le bien fondé de ces actions qui démarrent par Mokali. La présidente internationale des Jodawa a pour prêcher par l'exemple de l'entrepreneuriat remis plus de 300 bassins de pain à un fonds de démarrage aux femmes de Mokali, une activité qui entre dans le cadre de sa campagne de promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. Maître José Darlene Wangata veut redonner un nouveau souffle à ces femmes qui font les commerces de proximité. Cette femme leader connaît très bien la situation de ses mamans qui nourrissent de nombreuses familles et peinent à décoller dans leur commerce. L'engagement de Maître José Darlene Wangata envers cette catégorie de ses mamans est ferme, sans détour ni contrepartie. La femme aujourd'hui doit devenir une véritable entrepreneuse, une créatrice d'emplois d'abord chez elle pour arriver à une autosuffisance et une certaine indépendance. Une œuvre de charité qui s'inscrit dans le cadre d'assurer les pouvoirs d'achat au quotidien de femmes et jeunes filles. L'objectif poursuivi par cette femme leader, Maître José Darlene Wangata, est de voir les femmes et jeunes filles de ce coin de la capitale dépourvues de moyens de bord, faire face aux dépenses journalières et biens de première nécessité dans leur ménage. La fondation Maître José Darlene Wangata a plusieurs projets à réaliser à Mokali, Mikondo et dans tout Tchangou. À cela s'ajoutera les actions philanthropiques. Une journée qui se termine par une prière de dédicace à tous les membres de la coordination de Jodawa. Et
Et le tandem Dani Banza, ambassadeur itinérant du chef de l'État et l'élu de Sakania, Serge Chimbou Kondé, ont foulé les sols de la ville de Sakania. Objectif, appeler la population au soutien des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Cédric Keninambo. La cité de Sakania en fusion. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Ce week-end, tout a été taillé à travers une ambiance électrique. La présence de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et autorité morale du parti Avenir du Congo, Dani Banza Maluba, ainsi que l'acteur politique le plus adulé du territoire de Sakania, le député national Serge Chimbou Kondé, désormais au cadre de la CO. Direction la place Triangle, où les attendaient depuis plusieurs heures, fanfares, tam-tam, autres instruments de musique, ainsi qu'une foule nombreuse. Une fois au lieu du rendez-vous, c'est les fils du terroir, les princes de Sakania. C'est celui qu'on appelle ici affectueusement Équilibre, qui prend la parole en premier pour laisser place à Dani Banza. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État n'a pas manqué d'haranguer l'assistance en commençant par les appeler au soutien des actions du chef de l'État, notamment le vaste programme des 145 territoires. S'inscrivant dans la logique de développement, l'ambassadeur Dani Banza a convié les habitants du territoire de Sakania à apporter leur soutien à Serge Chimbou Kondé, qui est celui qui a été toujours à leur côté. Ces derniers s'adressant devant la foule, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et a demandé à sa base de ne pas hésiter à apporter leur voix pour le président de la République et a invité sa base à travailler dans le sens d'un deuxième mandat pour le chef de l'État. Satisfait des messages lancés, passés par leur orateur du jour, la foule l'a manifesté par des tonnerres d'applaudissements. C'est dans cette ambiance bon enfant que le face-à-face entre le binôme Banza Kondé et les habitants de Sakania s'est clôturé. Enseignement supérieur et universitaire, la faculté des droits de l'université de Kinshasa vient de déverser sur les marchés de l'emploi plus de 200 étudiants des différentes filières. La cérémonie de remise des diplômes et présentation des lauréats a eu lieu au Palais du Peuple, nous dit Iverson Kamwaba. Ces nouveaux diplômés sont sortis de la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Et comme pour montrer qu'ils sont déjà en plein dans le métier d'avocat, ils ont fait une simulation des procès au cours de laquelle ils ont fait ressortir leur talent d'orateur avec des plaidoiries qui ont enchanté le public venu nombreux au Palais du Peuple pour la remise des parchemins. Un de leurs aînés, Paul Bindou Moussambali, leur a remis les médailles des mérites avant de les inviter à apporter un plus dans l'appareil judiciaire congolais. Donc le pays vient de s'enrichir aujourd'hui de plus de 300 diplômés en droit. Ces 100 jeunes que nous venons de primer aujourd'hui, il est à mes côtés, ils vont apporter un nouveau vent dans la magistrature une fois en activité. Donc le pays a besoin de la jeunesse pour rajeunir, si vous voulez, son administration, pour rajeunir l'appareil étatique. Récipiendaires, les corps académiques et les parents sont tous sortis de la salle des spectacles du Palais du Peuple, visiblement satisfaits. Et pour terminer, l'intersyndicale des ministères du budget et des finances a tenu un point de presse ce vendredi 2 juin. Au cours de cet exercice, il a été question de fixer l'opinion sur les malentendus qui s'est créé suite à la mauvaise interprétation du rapport de l'IGF sur les fichiers de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. L'intersyndicale du ministère du Budget et des Finances a relevé certaines irrégularités dans la procédure à suivre avant la publication du dit rapport. Chose qui a eu comme conséquence l'arrestation de certains cadres du budget, les gels des comptes salaires des agents, ainsi que les attaques basées sur les informations infondées et diffamatoires dans certains médias contre les secrétaires généraux au budget.
qui, rappelons-les, n'a cessé d'appeler les agents du budget à une franche collaboration avec l'Inspection générale des finances et la justice. L'intersyndical condamne avec la dernière énergie les propos marchands, outragés contre le secrétaire général au budget Nke Pierrot. Et tout ça toujours dans l'esprit de salir l'image de ces deux ministères. On ne peut plus accepter de tels. Rappelons que le secrétaire général au budget suit de près les travaux de la commission mise en place au sein de l'administration centrale du budget en vue de passer au peigne fin les rapports de l'inspection générale des finances sur les fichiers de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Madame, Messieurs, ce journal-là se termine ici. J'ai été heureuse de vous le présenter. Merci de votre attention soutenue. Bonsoir.